amara mia. Il catalogo è questo, delle belle che amo il patron mio. Un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. In Germania 231. 100 in Francia, in Georgia 91. Ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Jean d'Ormesson, bonjour, bonsoir et bonsoir. Bienvenue au Grand Théâtre de Bordeaux pour cette conversation avec vos lecteurs autour du livre « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle ». Donc la clé du titre et du livre se trouve en page 378 et vous avez bien voulu nous la livrer par cœur. D'abord, je voudrais présenter des excuses. Je devais venir il y a un an à peu près à l'occasion de mon entrée dans la Pléiade, j'ai été obligé de me décommander pour des raisons absolument indépendantes de ma volonté. Et j'étais très, très désolé et je vous présente mes excuses. Alors, vous parlez du petit texte du poème d'Aragon. Oui, exactement. Ah oui, c'est un poème d'Aragon qui... J'admire beaucoup Aragon et c'est un poème qui m'a donné trois titres de livres et peut-être dans l'avenir un quatrième. Et c'est un poème qui est admirable, que vous connaissez évidemment, qui est dans les yeux et la mémoire d'Aragon. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit, ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures sombres. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout si ce n'est le passant. Je dirais malgré tout que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que « merci », je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Merci pour Aragon. Alors Aragon, justement, dans sa version intégrale, le poème de Louis Aragon est beaucoup plus long, 14 strophes. Oui, je ne sais pas les 14 strophes. Non, mais ce n'est pas un reproche. C'est pas un reproche, mais... Dans le poème d'Aragon, il y a 12 malgré. Malgré l'âge, les blessures, les ennemis, la méchanceté des gens, la guerre, l'injustice, l'insomnie, les cauchemars. Vous, vous ramassez tout ça en un très léger malgré tout. Est-ce que vous ne voulez pas vous appesantir sur ce qui vous fâche ou est-ce que rien ne vous fâche? Mais vous avez raison, la clé du titre est dans malgré tout. J'avais écrit un autre roman qui avait pris le premier vers de ce passage qui était... c'est une chose étrange à la fin que le monde, et ce qui avait l'importance, c'était à la fin. Et là, évidemment, c'est malgré tout. Malgré tout, d'abord à cause de mes propres imperfections, mes propres erreurs, dont je parle beaucoup. On m'a même trouvé quelquefois que je parlais trop, avec trop de fausse modestie, mais... C'est plutôt une modestie réelle. Et malgré tout aussi, nous vivons dans un monde qui est difficile, où beaucoup de gens sont malheureux. Et malgré tout, c'est une espèce de bémol mis à cette réputation d'écrivain du bonheur que j'ai eue et qui est tout à fait exagéré, je crois. C'est très difficile d'être aujourd'hui un écrivain du bonheur quand tant de gens sont malheureux.
dans le monde entier, peut-être des millions et des millions de gens qui n'ont même pas d'eau, qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui sont quelquefois chassés par la guerre et par la misère. Et même chez nous, qui sommes tous des privilégiés, eh bien, je crois qu'il faut dire malgré tout, parce que la situation est évidemment difficile. Elle est difficile, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'était mieux avant. Vous je ne pense pas que c'était mieux avant, je pense que ça a toujours été difficile et que le monde a toujours été à la fois une vallée de larmes et une vallée de roses. Et quand vous dites vallée de roses, il faut penser à la vallée de larmes, et quand vous dites vallée de larmes, il faut penser à la vallée de roses. C'est vrai, mais avec vous, on a quand même toujours l'impression que tout finit bien. Par exemple, vous commencez par égratigner l'Académie française. Bon, et puis ensuite, vous énumérez. Je suis pas sûr que ce soit bien de finir à l'Académie française, vous savez. Non, mais vous énumérez tous les grands noms qui s'y sont succédés, puis vous dites, bon, il y a des trous, bien sûr, mais ce n'est pas si mal. Voilà, c'est toujours, ça finit toujours bien. Vous le dites de multiples façons dans ce livre. Par exemple, quand vous étiez directeur du Figaro, vous affrontez un plan social, vous êtes obligé de la mort dans l'âme de flanquer Bernard Pivot à la porte, mais vous dites, bah, peut-être qu'après ce coup du sort dont j'étais responsable, ce fut aussi un coup de chance. Il quitta la presse écrite pour la télévision, où il allait jouer un rôle que chacun sait dans la sociologie littéraire et la culture de masse, avec apostrophe ou bouillon de culture, heureuse conséquence de ma brutalité. Tout finit toujours bien, finalement. Je crois qu'il y a, je ne sais plus, à l'une ou l'autre des émissions de télévision, peut-être trop nombreuses, où j'ai été récemment, mais rassurez-vous, je vais disparaître du petit écran. À l'une ou l'autre, on m'a dit « Vous avez survolé ce monde en première classe ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, je disais « Nous sommes tous des privilégiés ». Mais à l'intérieur de ces privilégiés, je suis un privilégié parmi les privilégiés. Pourquoi ? Pas par l'argent, mon père n'avait pas de fortune, mais il était diplomate, il était ambassadeur, et j'ai vécu... Vous savez, si vous recevez des hommes politiques, tous les hommes politiques se présentent comme non privilégiés. J'ai même connu un personnage très important qui s'était présenté aux élections et qui avait mis sur ses papiers « fils de cheminot ». Son père était président de la Compagnie internationale des wagons-lits. Ce qui vraiment comme cheminot. Et évidemment, moi, je me présente comme quelqu'un de privilégié. J'ai été élevé dans un château, peut-être même dans deux châteaux. L'un s'appelle Ormesson, l'autre s'appelle Saint-Fargeau, et apparaît dans un de mes livres sous le nom de Plessis les Vaudreuil dans Au plaisir de Dieu. Et quand je n'étais pas dans ce château, j'étais dans les ors de la République, puisque mon père était diplomate. Et bon, même privilégié, j'ai quand même rencontré des difficultés. On peut en citer deux. Souvent, je dis, j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai jamais eu faim ni soif, j'ai toujours eu un toit pour m'abriter. Ce n'est pas tout à fait vrai, j'ai eu très faim. J'ai eu faim sous l'occupation. Sous l'occupation, j'ai passé la première année à Clermont-Ferrand. Pour des raisons que j'ai souvent racontées, mon père avait été ambassadeur à la retraite, avait été nommé par Pétain président de la Croix-Rouge française. Et donc, il fallait aller à Vichy, il m'avait inscrit à Clermont-Ferrand, et il est arrivé à Vichy, je crois, le 1er août, et il a démissionné le 2 août. Non pas parce qu'il y avait des lois anti-juives, il n'y avait pas de loi anti-juive, il n'aurait jamais accepté. Les lois anti-juives sont de novembre 40, mais parce que les juifs allemands qui s'étaient réfugiés en France
Vichy les avait rendus à Hitler. Et donc mon père n'a pas pu le supporter. Souvent, plusieurs fois d'ailleurs, j'avais fini par me lier. C'est une malédiction, je suis en général assez lié avec mes adversaires. Ce sont des adversaires, mais je ne suis pas en mauvais terme avec Hollande. J'étais en assez bon terme avec Mitterrand et je lui disais, Monsieur le Président, vous avez mis 3 ans à comprendre. Parce qu'il était quand même, il a eu la Francisque, il avait prêté serment à Pétain. Vous avez mis, il a été tout à fait résistant, mais en 1943, je lui ai dit, vous avez mis 3 ans à comprendre, mon père a mis 1 journée. Et donc là, il y a eu, à Clermont-Ferrand, le ravitaillement en 1940, c'est un peu d'histoire sociale et économique, le ravitaillement à Clermont-Ferrand en 1940 était assez bon, mais il faisait affreusement froid. Et donc, comme mon père n'était plus à Vichy, nous avons été au soleil à Nice. Et à Nice, il faisait chaud, on n'avait plus froid, mais à Nice, on avait faim. À Clermont-Ferrand, il y avait du beurre, il y avait des légumes, il y avait même un peu de viande. Mais à Nice, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, j'ai eu faim. Et enfin, j'ai été élevé dans un château et il est arrivé quelque chose qui n'est pas déshonorant. Nous n'avions plus assez d'argent pour entretenir le château. Il faut dire que c'était un château immense, magnifique d'ailleurs, qui avait été construit par le frère du Capet, qui s'appelait Ribert, qui avait été le château de Jacques Coeur. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont lu le livre de Ruffin sur Jacques Coeur. Il avait été le château de la grande mademoiselle, qui était la cousine germaine de Louis XIV. Et il avait été, nous ne descendons pas de la grande mademoiselle, mais le château avait été le château de Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui est un personnage inouï, qui est mon propre grand-père, arrière-grand-père en ligne directe, qui était député de la noblesse en 89 à la Constituante, qui est devenu ami de Robespierre et qui a été tué, assassiné par un garde du roi le jour de l'exécution de Louis XVI. Il y avait 2 héros de la Révolution. L'un, c'était Marat, tué dans sa baignoire par Charlotte Corday. L'autre, mon grand-père, tué par Paris au Palais Royal. Un jour, je ne le connaissais pas, j'ai rencontré le comte de Paris, qui est un Orléans, donc un descendant de Louis-Philippe. Et le père de Louis-Philippe avait voté la mort du roi. Et je lui ai dit, Monseigneur, nous avons un point commun, nous descendons tous les deux de régicide. Il n'a pas été très très content. Quoi. Alors, ben, ce livre est plein de rencontres, plein de noms de Hollande à Robespierre. Et donc, il y a un index. Il y a un index des noms, un index impressionnant par la taille et la diversité et par les miracles de l'ordre alphabétique. Se côtoient justement Michel Pollack, Sidney Pollack, Marco Polo, Polyeucte et Pompidou, ou encore Robespierre et Rockefeller. À la lettre M, le docteur Henri Mondor, Marilyn Monroe, Montaigne, Yves Montand, Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. Je n'ai pas connu la Montespan. Et Montesquieu. Comme dit Gérard, je n'ai pas connu la Montespan. Mais ils sont tous convoqués, vous êtes de plein pied avec chacun, de l'Antiquité au plateau de télévision en passant par l'UNESCO. Alors, il reste aussi l'index des lieux, et là, il va falloir vous en expliquer avec ce public bordelais. Ce que vous appelez à propos de Maurice Druon et de sa maison de Fès, le fin fond du Bordelais. Donc, dans l'index des lieux, il y a très peu de choses sur Bordeaux. Il y a le fin fond du Bordelais. Je vais vous dire pourquoi il y a peu de choses au Bordeaux. C'est que j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Encore un privilège. J'ai voyagé parce que mon père était diplomate. J'ai donc été en Allemagne. On pourrait en parler pendant des heures. Ensuite, j'ai été en Roumanie. Ensuite, j'ai été au Brésil. J'ai appris successivement l'allemand, le roumain, le portugais.
Et puis je suis rentré à Paris pour faire quelques études. Et par hasard, je suis entré à l'UNESCO qui m'a de nouveau envoyé un peu partout en voyage. Donc, tous ces gens, oui, j'ai eu de la chance de... Marilyn Monroe, je n'ai pas rencontré non plus. Mais elle est quand même dans l'index. Voilà, y a des gens... Et évidemment, si vous voulez dire d'un mot, ma mère m'avait laissé, je l'ai beaucoup répété, trois préceptes avant de mourir. Le premier était... Ne te fais pas remarquer. Le deuxième était ne parle pas de toi. Pas de chance. Et le troisième était, il est terrible à tenir en ce moment, était toute lettre mérite réponse. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que j'allais vous en parler, moi, des préceptes maternels. Je voulais savoir lesquels vous aviez respectés. Ah oui, ne te fais pas remarquer, ne parle pas de toi, ouais, enfin, et toute lettre mérite réponse. Oui, et donc oui, j'ai énormément voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens et beaucoup de lieux, et si je parle peu de Bordeaux, c'est que il y a d'abord j'ai été beaucoup en Iran, en Afghanistan, j'ai vu des choses qu'on ne verra plus jamais. Des choses qui n'existent plus, qu'on ne verra plus que dans les livres. J'ai vu Palmyre, évidemment, qui risque beaucoup d'être détruit. J'ai vu en Afghanistan les Bouddhas de Bamiyan, qui ont été détruits, entièrement détruits par les talibans. Et en réalité, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est la Méditerranée, la Grèce, l'Italie, et dès que je pouvais aller quelque part, même quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais un peu de temps. Maintenant, j'ai un peu plus d'argent, mais beaucoup moins de temps. Je partais pour l'Italie. Donc, c'est pour cette raison-là que Bordeaux n'était pas sur la route. Le Bordelais, que je trouve si beau. Je ne dis pas ça par démagogie, mais Bordeaux est évidemment une des plus belles villes qu'on puisse imaginer, et je la connaissais assez mal. Je l'ai connue un peu par Maurice Druon qui habitait le à Fès. Le fin fond du Bordelais. Le fin fond du Bordelais. Dans ce livre, il y a beaucoup de listes. Vous dites que vous pourriez fournir des listes qui n'en finiraient pas, comme il pourrait y avoir la liste des livres, des villes que vous avez aimées, des églises, des temples, des mosquées, des jardins où vous vous êtes promené, des ports, des lacs où vous avez passé du temps à rêver. Et il pourrait y avoir aussi la liste des amis, la liste des Pierre, la liste des Marie, Jacques, Catherine, Pascaline. Chaque nom entraînerait des souvenirs, des projets, des voyages, des passions, et renverrait à son tour à d'autres noms, d'autres sentiments et à d'autres thèmes, jusqu'à constituer des réseaux d'embranchements sans fin qui se confondraient avec la vie et avec le monde. Alors comment mettre en ordre tout cela? Je voudrais savoir comment vous travaillez. Mal, probablement. ce que je voudrais dire, c'est un sentiment m'a toujours beaucoup habité. C'est un sentiment d'étonnement. J'ai toujours été étonné. J'ai été étonné d'être normalien. J'ai été étonné d'être agrégé. Je suis étonné d'être reçu par vous devant tant de personnes. J'ai été étonné d'être accueilli si bien par Denis Mola, à qui je dois beaucoup. J'ai été étonné d'entrer dans la Pléiade. Et ce sentiment d'étonnement se transforme souvent en sentiment d'admiration. Je crois que c'est un sentiment un peu vieillot, un peu ringard. Mais je suis un peu ringard. Je sais que j'avais demandé... Vous savez qu'il y a un chanteur qui s'appelle Julien Doré, qui a énormément de talent et qui a mon nom tatoué sur son épaule. Et je lui ai dit, mais... pourquoi tu as choisi mon nom? Et il m'a fait cette réponse qui m'a paru très juste. Il m'a dit, j'ai cherché quelqu'un qui ne soit pas antipathique et un peu ringard. Et je lui ai dit, tu ne pouvais pas mieux tomber.
Et alors, une des caractéristiques de cette ringardise, c'est l'admiration. J'admire beaucoup de gens, c'est vrai. J'ai beaucoup admiré des endroits, des lieux, des artistes, des écrivains et des amis. Mais pas au point de vous faire tatouer leur nom sur l'épaule. Pas au point de vous faire tatouer leur nom sur l'épaule, non, quand même. Non, moi, je suis très réservé. Mais enfin, c'est amusant parce que je dois beaucoup à Julien Doré, je dois beaucoup à quelqu'un qui s'appelle Fonel. Je ne sais pas si ça dit encore quelque chose. Fonel tenait la rubrique de l'électronique dans Elle. Et elle me prêtait des aventures stupéfiantes avec Inès de la Fressange, avec Catherine Deneuve. Je partais, d'après elle, je partais en voyage. Tout ça a été inventé. Et puis la troisième personne à qui je dois beaucoup, c'est Gérard, évidemment. Et c'est amusant parce que l'autre jour, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois, j'étais sur le pont Alexandre, je crois, à Paris, près des Invalides, je crois que c'est le pont Alexandre. Et je mets la radio dans ma voiture et j'entends Gérard qui m'imite. Le Figaro, Montespan, et je me dis, c'est amusant, mais il exagère un peu. Et puis, l'émission s'arrête. Et je comprends que ce n'était pas lui, c'était moi. Et ben je dois beaucoup aussi à ces gens-là. Vous savez, il y a un moment où on est un peu reconnu par les gens. Et c'est très frappant. On est reconnu à cause de la télévision. C'est pas des lecteurs qui me connaissent, hélas. C'est des gens qui m'ont vu à la télévision. La preuve, c'est qu'une des formules que j'entends le plus souvent, c'est « Je vous admire tellement, est-ce que je peux prendre une photo avec vous ? Rappelez-moi donc votre nom. » Alors, je veux bien qu'on me reconnaisse, je veux bien qu'on ne me reconnaisse pas, mais qu'on me dise « Je vous admire tellement, mais rappelez-moi qui vous êtes », ça, je trouve ça dur. Ce qu'il y a de compliqué aussi avec vous, c'est que vous faites en même temps l'apologie du papillonnage. Donc, papillon du Parnasse est semblable aux abeilles, je suis chose légère et vole à tout sujet, je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. Et en même temps, vous dites que vous croyez à peu de choses, en peu de choses, sauf à l'ordre des choses. Alors, pour mettre de l'ordre, j'ai fait une sorte d'abécédaire. Vous savez que pour ses 120 ans, la librairie Mola va faire l'objet d'un dictionnaire amoureux chez Plon. Et je vous propose un début d'abécédaire ou de dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. Anecdote, vous aimez beaucoup les anecdotes. Oui, c'est vrai. Dans ce livre, il raconte, par exemple, Jean d'Ormesson raconte comment il a confondu Marlène Dietrich et Greta Garbo. À défaut de rencontrer Marilyn Monroe, vous avez quand même... Ah bah oui, c'était quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans ou 22 ans, ou peut-être 19 ans, j'aimais beaucoup le cinéma. J'aimais énormément le cinéma. J'ai même pensé à un moment faire du cinéma, pas comme acteur, comme réalisateur. Puis j'ai abandonné très vite parce que je ne suis pas capable de travailler en équipe. J'aime la solitude, finalement. Et une amie qui savait mon goût pour le cinéma et qui était amie de Greta Garbo m'a invité à déjeuner avec elle. Et pris d'une espèce de folie. On était trois. Il y avait mon amie, Greta Garbo et moi. Et pris d'une espèce de folie, je murmure à Greta Garbo « Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ». C'est la chanson de l'Ange Bleu. Greta Garbo ne bouge pas. Alors, vous savez, comme les ivrognes, je lui dis « Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe » toujours rien. Je me dis « Elle est sourde ou elle est idiote ». Et je lui dis « Je vous ai tellement admiré dans l'Ange Bleu ». Et elle me dit, d'un air assez froid, « Je crois que vous me confondez avec Marlène Dietrich ». L'histoire ne s'arrête pas là. 10 ans après,
je suis invité à dîner chez Pompidou. Ça, c'est très élégant. Pardon, encore les privilèges. Je vais vous dire pourquoi. Il y avait deux raisons. Pompidou était normalien. Je suis normalien et les normaliens s'attirent entre eux. Et la deuxième raison, c'est que il m'aimait bien, mais il préférait surtout ma femme. C'était ma femme qu'il aimait. Et il m'invite à dîner avec Marlène Dietrich. Marlène Dietrich... La vraie. Marlène Dietrich est allemande. Elle revenait d'avoir enterré un oncle en Allemagne. Et je lui parle allemand. Et vous croirez si vous voudrez, ça se passe assez bien. Et vous savez qu'elle était très sauvage. Et elle me dit, est-ce que vous viendriez prendre le thé avec moi mardi prochain, avenue Montaigne? Elle habitait à Paris, avenue Montaigne. Ah, je dis oui, bien sûr. Et puis encore de folie, je lui dis, il faut que je vous raconte une histoire qui va vous faire tordre. Et je lui raconte cette histoire. Elle se tourne vers moi et me dit, je crois que ce ne sera pas la peine que vous veniez mardi. Elle était vexée aussi. Mais et alors, vous savez, on dit quelquefois, il y a eu des articles, un dans l'Observateur, un dans l'Express, disant, parlant de ma fausse modestie. C'est pas vraiment de la fausse modestie. Ces histoires, je les raconte là, mais je peux vous raconter une histoire qui n'est pas dans le livre parce qu'elle m'est arrivée il y a 8 jours. Je suis invité chez Ruquier. Et je vais chez Ruquier avec un peu d'hésitation. Je me dis, mon père n'aurait pas beaucoup aimé ça. Ma mère n'aurait pas beaucoup aimé ça. Mais enfin, j'y vais. Et quelques heures avant, l'organisatrice de la télévision me téléphone en disant, on est très content de vous accueillir demain. Je voulais vous signaler que l'ambassadeur du Népal serait là. Moi, toujours poli, je lui dis, ah, très bien, saluer l'ambassadeur de ma part. Et puis, je vais chez Ruquier, et chez Ruquier, avant l'émission, on me dit, vous savez la nouvelle? Je dis, quelle nouvelle? Ah oui, on m'a dit que l'ambassadeur du Népal était là. Et on me dit, l'ambassadeur du Népal? Mais c'est Manuel Valls. Malheureusement, je suis sourd. Et au téléphone, elle avait dit Manuel Valls et j'avais compris l'ambassadeur du Népal. Voilà. On fait ce qu'on peut. Alors justement, moi, dans mon abécédaire, j'avais anecdote, j'avais les bons mots. Vous aimez bien les bons mots à la lettre B. À C, j'avais Sioran, Ceausescu et toute la Roumanie de votre enfance. D, les dessinateurs de presse. Les dates importantes, 1971, et puis eux comme écrivains, parce qu'il faut attendre la page 358 et vos 50 ans pour que vous vous décidiez à dire que vous êtes écrivain. Ça, oui, c'est incroyable. Vous avez tout à fait raison. J'ai fait tout très tard. Je ne vous parlerai pas de ma vie sexuelle. Mais elle a commencé très tard aussi. Et j'ai écrit très très tard. Non, pas parce que je ne connaissais pas la littérature, je la connaissais un peu. J'étais normalien, j'ai préparé l'agrégation de lettres, j'ai passé l'agrégation de philosophie, mais j'ai passé l'agrégation de lettres, et je connaissais un peu Eschyle, Dante, Cervantes, Flaubert et Stendhal, et je ne voyais pas d'utilité à y ajouter quelque chose. Et vous le savez, puisque vous êtes vous-même universitaire, les normaliens n'écrivent pas de romans, ou ils n'écrivent rien, ou ils écrivent des ouvrages savants. Et un jour, c'est vrai, c'est la vérité, c'est pas très brillant, j'ai voulu plaire à une fille et j'ai écrit un livre. D'ailleurs, c'était bien fait pour moi, ça ne l'a absolument pas intéressée. Elle préférait les coureurs automobiles. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et vous savez qu'on me fait souvent deux reproches qui sont fondés l'un et l'autre.
le premier proche, c'est vous écrivez toujours la même chose. Et c'est un peu vrai. Et je me réfugie derrière François Mauriac. Ah ben, vous savez, c'est le moment où jamais de Paris Mauriac, à qui on dit, vous écrivez toujours la même chose, c'est toujours Bordeaux, les quinconces, les landes, la famille déchirée et la soupe aux choux qui sent un peu la strychnine. Et il répond, oui, c'est une malédiction. Dès que j'écris quelque chose, c'est du Mauriac. dès que j'écris quelque chose, c'est du Lormeçon. Et l'autre chose, c'est qu'on m'a souvent reproché d'avoir écrit mon dernier livre. Et c'est vrai que mes premiers livres n'ont pas été des succès considérables. C'est quand même, la vie est quand même fascinante. Ça n'a pas été des succès considérables. Quand j'ai déposé mon manuscrit chez René Julliard, c'était un grand éditeur, c'était l'éditeur de François Sagan. J'ai déposé le manuscrit un samedi soir. Le dimanche matin, le téléphone sonnait chez moi, c'était Julliard qui me disait « C'est formidable, c'est un chef-d'œuvre, c'est mieux que Sagan, ça va être un succès énorme. » Ça n'a pas été des succès énormes, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Et j'ai écrit un livre qui s'appelait « Au revoir et merci », qui était un abandon de la littérature. Et évidemment, la vie est amusante. Ça n'a pas eu beaucoup de succès, ces livres, parce que c'était moins bien que Sagan, probablement. Et j'avais un adversaire à Paris, qui était un adversaire de poids. C'était le Figaro. Mon nom n'était pas imprimé dans le Figaro, parce que je n'écrivais pas, mais dans des journaux qui n'existent plus, il y avait un journal qui s'appelait Art. Peut-être que les plus âgés d'ici se souviennent de Art, où écrivait Nimier, Blondin. Et dans Art, on m'avait donné à faire la recension d'un livre du directeur du Figaro qui s'appelait Pierre Brisson, qui était un grand, grand journaliste, beaucoup plus grand que je n'ai jamais été, un très grand directeur du Figaro. Malheureusement, il écrivait les romans. Et les romans de Pierre Brisson étaient très mauvais. Mais comme il était directeur du Figaro, toute la presse disait que c'était admirable. Moi, j'avais 18 ans ou 20 ans, et j'avais dit la vérité, c'est-à-dire que le livre n'était pas bon. Et j'étais peut-être un peu à gauche à cette époque-là, quand j'étais jeune. J'avais terminé l'article en disant « Il y a tout de même une justice, on ne peut pas à la fois être directeur du Figaro et avoir du talent ». Et c'est ça qui était patent. 15 ans après, je deviens directeur du Figaro. J'ai réuni tous les journalistes et je leur ai dit, inutile de me rappeler cette phrase, je me rappelle très bien l'avoir écrite. Alors F, oui, on pourrait parler du Figaro, on pourrait parler aussi des femmes de votre vie, mais on a dit qu'on ne parlait pas de votre vie sexuelle. Donc sûrement on pourrait, pas. On pourrait, je ne parle jamais des femmes. On pourrait parler de Marguerite Yourcena. Ah, ben, bien sûr. Alors, évidemment, on me demande quelquefois « qu'est-ce que vous avez fait à l'Académie ?» Et la réponse est assez claire, c'est presque rien. Mais j'ai quand même fait quelque chose, c'était une révolution, j'ai fait entrer Marguerite Yourcena, et c'était quelque chose. Vous savez, tout récemment, il y a eu l'entrée de Finkielkraut, qui a posé des problème. C'était d'ailleurs assez amusant. Finkielkraut, qui est très drôle, avait dit « Il y a 50 ans, on n'aurait pas voulu de moi parce que j'étais juif, et maintenant on ne veut plus de moi parce que je suis réactionnaire. » Et je me suis dit « C'est quand même bien de faire entrer Finkielkraut. Je ne partage pas toutes les opinions de Finkielkraut, mais c'est quand même un très bon écrivain. » Un philosophe de talent, et il faut un peu d'agitation, comme ça, des débats à l'Académie. Il y a l'orthographe maintenant. Oui, il y a l'orthographe. On ne va pas en parler. Et Yourcena, l'Académie, c'était très simple, ne voulait pas de femmes. Le règlement était muet sur ce, n'interdisait pas les femmes.
Mais il y avait plus dur et plus fort que le règlement, c'était la tradition. En 350 ans, on n'avait élu ni Madame de Lafayette, ni Madame du Deffand, ni Georges Sand, ni Colette. Et l'Académie ne voulait absolument pas de femmes. Et j'ai imposé Marguerite Yourcenar. L'Académie a voté pour Yourcenar parce que la pression, vraiment, de l'opinion était telle. Je pense qu'il y avait 90% des Français qui ne voyaient pas pourquoi une femme n'entrerait pas à l'Académie. Je n'ai pas agi par féminisme ni par amitié, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas, je n'ai pas agi par féministe, mais j'admirais Marguerite Yourcenar. Vous avez tous lu, je pense, les mémoires d'Adrien et l'œuvre noire. Vous ne connaissez pas peut-être des poèmes de Marguerite Yourcenar. Ils sont très peu connus. Ils n'ont pas été publiés. J'en ai trouvé un dans un journal belge. Vraiment par hasard. Je vais vous le dire, il est très court. Marguerite Yourcenar aimait les femmes et elle était plutôt à gauche. Elle était exactement écologiste de gauche. Et elle était tombée amoureuse d'un écrivain de droite, homosexuel aussi, qui s'appelait André Frégniaux. Et André Frégniaux est mort. Et elle a écrit un poème que je trouve magnifique. « Vous ne saurez jamais que votre âme voyage comme au fond de mon cœur un doux cœur adopté et que rien, ni le temps, d'autres amours, ni l'âge ne feront jamais que vous n'ayez été. Que la beauté du monde a pris votre visage, qu'un peu de votre voix est passé dans mon chant. » C'est pas bien ? Mais c'est très beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous savez, quand je me dis ça, je suis tellement pris par l'enthousiasme que la beauté du monde a pris votre visage, qu'un peu de votre voix est passé dans mon chant. Je me suis dit, cette femme-là, il faut le lire. Et ça a été une bataille très rude. On m'a traité de voyou. On m'a dit que je voulais faire entrer une femme à l'Académie pour soigner ma propre publicité, comme si j'aimais la publicité. Et enfin, elle a été élue. Et alors, au moment de l'élection, c'était autre chose que Finkielkraut, qui a déjà agité beaucoup les gens. Il y avait à l'Académie toute la télévision, toute la presse, toute la radio, pas française, pas parisienne, pas française, du monde entier. Je ne sais pas, il y avait 600 personnes. Et il y a un Américain qui m'a dit, alors qu'est-ce qui a changé à l'Académie ? Et j'avais dit, maintenant, il y aura deux toilettes. Sur l'une, il y a écrit « Messieurs » et sur l'autre, « Marguerite Yourcenar ». Ce que vous venez de réciter a quand même une autre allure que la phrase préférée. Vous savez, quand Pivot avait demandé quelle est votre phrase préférée et que Bianchetti avait répondu « Le fond de l'air est frais ». Oh, vous racontez. C'était merveilleux. Quelle est, vous, votre phrase préférée, j'imagine? C'était merveilleux. Un mot là-dessus, c'était chez Pivot, il y a 40 ans, c'était avant la guerre de 100 ans. Et il y avait un écrivain que j'aimais beaucoup, qui était inconnu à l'époque, qui s'appelait Bianchetti. Peut-être que quelques-uns d'entre vous se souviennent encore, on oublie tellement vite, vous savez. Et il y avait là Dutour, il y avait moi, il y avait peut-être Michel Léon. Pivot, comme souvent, dit à la fin, on va faire un petit jeu, quelle est votre phrase préférée ? Il se tourne vers Dutour, il dit, quelle est votre phrase préférée ? Et Dutour dit, il est pris comme ça, il dit, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. C'est la première phrase de Salambeau. Ah, dit Pivot, c'est très très bien, bravo. Il se tourne vers Bianchetti, entièrement inconnu à l'époque, et lui dit, vous trouvez ça beau, n'est-ce pas ? Et Bianchetti, qui était d'origine argentine,
italo-argentine, réfléchit un moment et répond « C'est horrible !» Et puis bon, je lui dis « Comment ? Vous trouvez ça horrible, cette phrase de Flaubert, si belle ? Et alors, quelle est votre phrase préférée ?» Eh bien, je dis à la télévision, se tait pendant, je ne sais pas, 8 secondes, 9 secondes, ce qui est énorme à la télévision, et dit, il y avait un accent très fort, « Je crois que ma phrase préférée est... Le fond de l'air est frais. » Ça a été un triomphe. Il a été célèbre du jour au lendemain. Si vous le voulez bien, pour finir cet abécédaire, hein, j'ai P comme précepte, les trois préceptes maternels, on en a parlé. Mais si vous le voulez bien, on aurait pu finir par T comme théâtre, puisque vous dites qu'on est tous des acteurs dans ce monde. Oui, chacun joue un rôle. Vous jouez le rôle d'auditeur, moi je joue le rôle de ces imbéciles qui parlent. Quoi. Et chacun joue son rôle dans la vie. Et il y a des rôles plus ou moins gais, des rôles tristes, des rôles tragiques, des rôles comiques. Mais on ne va pas prendre théâtre, on va prendre tohu-bohu. Parce que vous dites, dans ce tohu-bohu, je n'ai que trois convictions. La première est la plus simple et la plus lumineuse. Rien n'est plus beau que ce monde passager, si cruel et si gai, éclairé et réchauffé, quelle chance, par une étoile que nous appelons le soleil et où, quelle chance, il y a de l'eau, des chèvres, des montagnes, des histoires de guerre et des chagrins d'amour, des chiffres, des livres, des secrets, ces oliviers et ces éléphants dont j'ai déjà trop parlé, des ambitions, des passions, des idées soudain nouvelles qui éclatent comme des grenades et des rêves de jeunes filles, en dépit de tant de malheurs et de tant de chagrins. C'est un bonheur d'être né. Puis, on va laisser les lecteurs découvrir les deuxièmes et troisièmes convictions. Je réfléchis, si je m'en souviens. Oui, je m'en les souviens. Deuxièmes et les troisièmes. Vous savez, c'est intéressant parce que quelquefois, à la radio, vous entendez des hommes politiques ou des écrivains qui n'ont pas lu, qui n'ont pas écrit leur livre et qui n'ont même pas lu leur livre. Alors là, je ça me, va je sur les convictions sur les convictions, ça va? Les trois convictions, c'est bon? Voilà, je ne crois pas à grand chose, je ne crois pas beaucoup aux institutions. Alors on me dit, mais vous avez été couvert d'institutions. Vous avez accepté la Légion d'honneur, vous êtes à l'Académie, vous avez été directeur du Figaro. Et la réponse est que j'ai probablement fait tout ça pour me racheter au souvenir de mon père, qui est mort probablement persuadé que j'étais un voyou et un bon à rien. Et donc j'ai essayé de... Et alors on me dit, mais vous dites du mal les institutions, vous dites que vous ne croyez à rien, et vous êtes couvert d'institutions. Et là encore, Mauriac avait fait une réponse merveilleuse. On lui avait fait le même reproche. On lui avait dit, vous dites du mal des honneurs, et vous êtes couvert d'honneurs. Et il avait répondu, qu'il peut arriver qu'on aime assez ce qu'on méprise.